Eh bien, salut à tous les amis, c'est Drixiz et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'aurez vu au titre et à la miniature les gars, aujourd'hui nous sommes de retour en police nationale avec la petite Skoda Octavia. Mais avant de commencer la vidéo les gars, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de venir me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Pour les 10 000 abonnés sur Instagram, pourquoi il y a une personne allongée au sol là-bas? Pour les 10 000 abonnés sur Instagram, je vous avais promis un concours pour gagner l'objet de votre choix sur la boutique Drixiz. Et bien ce concours est disponible depuis avant-hier, donc je vous invite à aller sur mon Instagram pour tout simplement y participer et tenter de remporter l'article de votre choix sur la boutique Drixiz. Ok, donc je vais prendre en charge la personne. Donc début de patrouille. Oula, mais attendez, j'ai plusieurs victimes là. J'ai un accident de la route aussi. Ok d'accord, je suis face à un accident de la circulation. Alors attendez, on va faire un truc là. Je sais pas ce qui s'est passé. Hop, je fais un stop trafic dans la zone. J'ai deux victimes. Ok, je contacte les sapeurs-pompiers là parce que j'ai deux victimes. J'ai un véhicule qui est accidenté aussi. Ok. J'ai les pompiers qui vont arriver. Je vais demander au conducteur ici de descendre. Monsieur, descendez, bonjour. Bonjour monsieur, qu'est-ce qui s'est passé là? Attendez, on va se mettre sur le côté et remettre la circulation disponible. Donc je vais déplacer son véhicule. Ah oui, je ne peux pas déplacer son véhicule. Pourquoi est-ce qu'il est bloqué son véhicule? Ah si, c'est bon. Ok, parfait. Les pompiers prennent en charge. Moi, l'individu, je vais le mettre sur le bas-côté. Et on va contrôler tout ça, les gars, parce que j'aimerais bien savoir le vrai du faux, là. Pourquoi on tombe sur une action de la route comme ça, là? Ok, alors du coup. Hop, je vais faire un petit ask for ID, on va demander l'identité du monsieur, hein. Eh bien, vous voyez, les gars, aujourd'hui, on perd pas de temps, les pompiers se sont bien garés, là, je suis assez content. Ok, du coup, c'est comment? C'est Liam Erey. Parfait. Un petit pet de check, histoire de savoir à qui on a affaire. On va contrôler le véhicule. Ok, la personne qui est là-bas, elle va bien. Par contre, l'autre, j'ai l'impression, elle est... C'est un AEP VL contre deux roues. Ça s'est un petit peu moins bien passé pour elle. Ok, monsieur a le permis, il n'est pas recherché. Je vais mettre mon véhicule en tant que balisage. Ici, hop. Pour éviter qu'il y ait un suraccident en arrivant dans le virage. Hein. Donc c'est un petit AVP assez calme, hein. Il n'y a pas beaucoup de dégâts. Il y a juste une personne qui est décédée, il me semble. Hein. Bon, c'est ce que je dis, ça n'a aucun sens étant donné qu'il y a une personne qui a perdu la vie. Donc monsieur, vous restez là, s'il vous plaît. Moi, je vais faire venir les médecins légistes pour lui. Comme ça, il va être pris en charge rapidement, l'individu, c'est triste. Hein. Hop, coroner unit. Ok, parfait. Les pompiers qui transportent. Ensuite, moi, je vais contrôler le véhicule, les deux véhicules. Hop. On va faire un search de véhicule. Et dans la foulée, on va faire un plated check. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Une plaque? Ok, d'accord. Moi, les gars, je vais faire un autre truc. C'est aussi essayer de trouver l'identité de la personne qui est percutée. Donc, search de body. Avant que les médecins légistes commencent à faire leur affaire. Ok. Une pilule de prescription illégale. Il s'appelle comment? Dominique Romero. Ok, très bien. Dominique Romero. Hop. Moi, je vais contrôler la moto, du coup, voir si c'est la sienne. Et après, bah, je pense que ça va être bon. Monsieur qui était en cause dans l'accident, lui, va être tout simplement, eh bien, transporté. C'est quel véhicule que j'ai? Non, c'est bon, c'est le bon véhicule. Ok. L'immatriculation, c'est laquelle? Ça finit par 21, 721, ouais, c'est ça. Ok, donc la moto, je vais la faire évacuer. Hop, top service. Small pick-up, on va pas déclencher la cavalerie pour ça. Monsieur, lui... Attendez, j'ai aucun doute, c'est bien lui qui a percuté. Que ça, ce soit pas un effet sur sa voiture. Hein. Oui, ok, oui, donc c'est bien lui qui a percuté le motard. Hein. Là, c'est... Je n'ai plus aucun doute. Ok, monsieur. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un test d'alcoolémie sur vous. Donc, allez-y, soufflez, monsieur. Hein. Soufflez dans le petit appareil. Ok, parfait. Ensuite, on va faire un test de stupéfiant. Ah bah... D'accord, ok. Ah bah, de toute manière, monsieur, il était... Il était pas positif, donc ça c'est bon. On va dire que d'autres collègues ont pris en charge. Je sais pas du tout pourquoi tout a despawn comme ça. Hein. Oh ouais, c'est bizarre. Bon bah c'est pas grave. Hein. Nous on se prend pas la tête. On est en patrouille, on va peut-être pouvoir prendre une vraie intervention ce coup-ci. Hein. Donc voilà, petit accident de la route sur lequel on est tombé. Bah j'ai envie de dire accidentellement, c'était pas prévu. Et même moi-même, j'ai pas prévu ça dans le scénario. Il y a aucun scénario qui n'est prévu aujourd'hui.
Car il faut savoir que de temps en temps, c'est moi qui prévois quelques scénarios. Hein. Donc je ne vous en dirai pas plus pour pas que vous fassiez la différence entre une intervention et un scénario, même si je pense que vous la faites déjà. Mais à certains moments, tout est monté de toutes pièces par moi-même. Qu'est-ce qu'il nous fait lui là, le petit monsieur là, qu'est-ce qu'il nous fait? Véhicule usuel occupant 18. Wanted. Eh ben on va aller. Oh mince. On va aller voir ce que c'est. Ok, du coup une personne qui aurait été Ouais, oh, il y a un S à occupant, ils sont sûrement plusieurs. Donc des personnes qui auraient été repérées dans un véhicule et ces personnes seraient recherchées. Ok, alors où est-ce qu'elles sont en train d'aller là? Je ne sais pas du tout. Attention. Ok, elles ont pris à droite, elles ont pris en haut ou en dessous. En dessous, elles ont pris en dessous, ok, très bien. Que je me trompe pas parce que moi je me trompe quand même assez souvent et c'est assez dommage parce qu'après je me tape à faire des tours dans la ville, mais des trucs de ouf. Hein. Je pense que c'est le véhicule qui allait phare là-bas. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai cette intuition, mais il me semble que mon intuition est bonne. Ok, c'est le véhicule là, c'était bien ça. Ok, je vais demander de s'arrêter sur le bas-côté. Il va percuter le véhicule là. Punaise, qu'est-ce qu'il fait? Non, 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 il va tomber dans le vide. Oh là là, mais c'est un fou, c'est un fou. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Ok, les gars. Il s'est arrêté là. Ok. Bon, je vais me mettre ici. Je vais demander sûrement une autre patrouille. Non, je vais faire ça tout seul en autodidacte. Ah mince, j'ai annulé le trafic stop. Bon, en tout cas, là, le véhicule, il est bien emmerdé. Bon, si je vais faire un truc, c'est que je vais demander une deuxième patrouille. Hop. On va y aller. Tranquillement. Je vais prendre mon taser, je vais pas prendre mon arme de poing quand même. Je sens combien dans le véhicule. Elle est toute seule, la petite dame. Ok, on va contrôler le véhicule, les gars, on reste vigilants. Madame, bonjour. C'est la police. Sortez du véhicule, s'il vous plaît. Ok, j'arrête tout de suite. J'interpelle immédiatement. Oula, il fait tomber le panneau, lui. Ouais, collègue, fais gaffe. Ok. Ok, super. Elle est interpellée, je l'ai menottée. Elle est pas interpellée, elle est juste menottée pour le moment. F9. Oh, je peux déjà la proposer à la cour. Elle s'appelle Emma Shaw. Ok. Insert. Hop. Ah bah j'ai l'autre interpellation d'hier. Donc elle a pris Emma Shaw. Elle a pris 9 ans de prison. Violent gang activity. Punaise. Et l'autre, celle d'hier, 221 mois pour tentative de meurtre. 9 ans de prison. Ah ouais, elle a ramassé elle. Eh bah du coup, moi je fais un petit pas de donne de bête, les gars. Je me prends pas la tête. Hein. Je sais qu'elle est incarcérée. Je la mets dans mon véhicule, je la charge et je transporte directement. Ok. Ok, grab pad, on y va. On va la mettre dans mon véhicule, si jamais j'arrive à la prendre dans mon véhicule. Hein. Parce que là, c'est pas gagné. Ouais, attendez, je vais tenter un truc. C'est release grab pad. Et ici, grab pad. Ah non, il va redescendre. Ah ouais. Bon, ça va être compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en bas. Hop là, on va la mettre ici, puis je vais appeler une patrouille en bas pour venir la récupérer. Parce que là, en fait, on est un peu entre les deux, entre l'autoroute et le reste. Hop là, je fais un police transport. Ah, mais il va missionner mon collègue en fait, là-haut. C'est lui qui va devoir la prendre. Oh là, le bordel, les gars. Ok, je demande une dépanneuse pour le véhicule, moi, mais avant ça, je vais le fouiller et faire un plate check. Parce que c'est pas parce qu'on sait où est-ce qu'elle va aller et ce qu'elle a pris qu'il faut pas contrôler le véhicule. Parce que si on peut alourdir sa peine. C'est tout bénef. Ok, Kevin Scarletti, donc il me semble pas que ce soit elle. Hein. Hop, search de vehicle, histoire de voir ce qu'on a à l'intérieur. Ok, d'accord. Ah oui, ça c'est beau ça. Ça c'est propre. Du coup, hop, tow service, large flatbed, on va attendre tranquillement qu'elle arrive. Flatbed, backup needed in downtown. Large fight. C'est quoi cette intervention là? Ok les gars, du coup on part sur une nouvelle intervention. Là on part sur un accident de la route. Donc encore un sur Vinewood Hills pardon. Donc on part sur un nouvel accident de la circulation. C'est parti, on s'engage. C'est à un peu moins d'un kilomètre. Hop, je passe devant le commissariat. J'ai pas vu les pompiers partir, donc je ne pense pas qu'ils ont été déclenchés.
C'est sûrement juste du matériel, hein. S'ils envoient la police, c'est qu'il doit y avoir un conflit ou qu'il y a des victimes. Bon, j'ai pas vu les pompiers partir, donc j'ai déjà ma petite image. Ma petite idée, pas ma petite image, bah oui. Ok, donc on va voir, c'est tout là-haut. Ok, d'accord, c'est dans les quartiers... C'est dans les quartiers résidentiels. Ok, super. Attention. Bon, je vois rien pour le moment. Ah ouais, c'est dans le virage, c'est une zone super dangereuse. Il faut faire gaffe, quand j'arrive, déjà, premier réflexe, c'est un stop trafic. Ok, c'est là, je me... Oh, punaise. Vous voyez pourquoi je dis que c'est dangereux? Ah oui, ah oui, ah oui, d'accord, non, si, je pense qu'il y a des victimes. Je fais un stop trafic. Ok. Je vais voir si j'ai des victimes à l'intérieur. Ok, j'ai une personne à l'intérieur, je demande tout de suite les sapeurs-pompiers, j'avais pas vu. Allez, je vais faire un truc, moi, c'est que je vais mettre mes... Hop. Ah bah si. Bah attendez, les pompiers, ils arrivent de l'autre côté, donc c'est sûrement pas les Tobé qui vient de partir. Madame, bonjour, c'est la police. Madame, c'est les secours, si vous m'entendez, serrez-moi les mains, ouvrez les yeux, madame, là. Parlez-moi, faites un geste. Ne bougez pas trop la tête, hein. Qu'est-ce qu'il a fait, le SAV, là? Ok, ils sont là. Madame, les pompiers arrivent. Ok, vite, les gars, là. Dépêchez-vous, là, je sais pas si elle est incarcérée ou juste un véhicule. Ok, salut, une personne... Ok, d'accord, c'est bon, elle était pas incarcérée. Salut, les gars. Donc, dans le véhicule, hein. Ok. Il a dit, il est peut-être trop tard. Mais non, il est jamais trop tard, mec. Allez, courage. Je vais contrôler la plaque. Et je sais pas s'il y a quelqu'un qui aurait vu quelque chose. Je vais aller sonner chez les voisins. On va sonner tranquillement. Bonjour. Il n'y a personne ici. Je vais sonner dans la maison d'en face. Lamar Davis. D'accord, parfait. Madame, elle va bien. Hop, ici. Bonjour. Ok, il n'y a personne non plus. Ça, c'est triste. Est-ce que je peux faire un pay de check sur la personne, là? Ok, d'accord. Il l'a pas pris. Bon, c'est pas grave, hein. Sophie Baker. Ok, bon, bah, le véhicule, je vais le faire évacuer, moi. Hop. Tough service, large flatbed, hein. J'appelle une dépanneuse. Et puis, ils vont la prendre en charge. Ok, donc là, je vais attendre quand même un petit peu que la dépanneuse arrive pour libérer la circulation. Parce que là, vu comment les gens arrivent comme des fous, ça m'étonnerait pas qu'il y en ait un qui refonce dans le véhicule, hein. Donc, hop, je vais quand même me mettre sur le bas-côté. On va rester avec les gyros de ton. Enfin, les gyros, pardon, pas le de ton. Je me mets ici, histoire de prévenir avant le virage. La dépanneuse, elle est là-bas, derrière le véhicule rouge. Ok, super, oulala, ça tape un petit peu dans le véhicule, c'est la base. On va attendre qu'il la prenne. Hop, parfait, nickel, on remet la zone de contrôle, la zone routière normale, hein. Pas de dégâts sur la route ni sur les alentours, donc j'ai pas besoin de faire venir la mairie. Ok, oula, qu'est-ce qu'il fait, lui, là-bas, là, avec son véhicule. Ah ouais, ça a créé un bon petit bouchon, quand même. Du coup, nous, on se retrouve à patrouiller dans Vinewood Hills, hein, donc c'est les quartiers résidentiels de Vinewood. On va voir tout simplement s'il y a des bandits, des gangsters ou des activités un petit peu frauduleuses. Ah, ça, c'est pour nous. Ok. Un véhicule avec des occupants qui sont recherchés. Par contre, lui, vu comment il s'est... Punaise, mais arrête d'avancer, là. Parce que là, le véhicule, il va pas du tout dans notre direction et j'ai l'impression qu'il bombarde quand même assez vite. Donc, si on pouvait le choper, ce serait bien. Parce que là, vu comment il va, déjà, c'est direction gendarmerie nationale. Donc, je vais rapidement me faire avoir et plus pouvoir faire la poursuite. Oh, punaise. Si je commence comme ça aussi, moi, je peux me plaindre des PNG. Hein, mais si moi aussi, je fais n'importe quoi, les gars, ça va pas le faire. Ok. Le véhicule, ouais, donc il est clairement en train de partir juridiction gendarmerie nationale. Donc, ça va être assez compliqué de justifier la poursuite. Et en plus, j'ai un véhicule, il est lent. Il est parti tout droit. Moi, j'y vais quand même, hein, c'est pas grave. Hein. Les collègues de la gendarmerie, ils vont comprendre, hein, parce que eux aussi, ils viennent chez nous. Même, ils font des contrôles routiers chez nous. On les voit dans Los Santos. Le véhicule, il est par là-bas, donc on va essayer de le choper. Il est au niveau du carrefour, donc c'est un des deux, je pense. Ok, c'est le véhicule gris. On va le contrôler. Arrêtez-vous. Ok, je vais demander de s'arrêter. Est-ce qu'il va nous faire un refus obtempéré ou il va coopérer? Je ne sais pas, on va voir ça tout de suite.
Ok, parfait, il coopère. Je fais un petit truc, moi, c'est un play to check dans la foulée. 64 VVE 162. Ok. Target license plate. 6. Petit taser en main. 4. Victor. Victor. Chloé Wilkinson. 6. 2. A warrant issued. Elle est toute seule. Madame, bonjour. Ok, elle se barre off top tempéré, ça ne m'étonne pas. Bon bah c'est parti les gars, on va faire ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire les courses poursuites. Hein. Hop, et d'accord, donc elle a un véhicule assez rapide, donc ça m'étonnerait pas qu'elle arrive à se barrer. J'espère que ça ne va pas crash durant cette course poursuite. Hein. Il est où? Elle est où? Elle est où? Il est où? Ok, nickel, elle est là-bas. Je vais demander des hertz. Comme ça, ils peuvent pas me les foutre autre part là. Parfait, ils me les ont placés au bon endroit. Alors, elle va passer dedans, mais plein pot. Ok, parfait. Retire tes hertz. Super, merci camarade. Il est super stylé ce véhicule là en plus. Ok, donc là, elle va être immobilisée. On a le collègue de la gendarmerie qui va venir avec nous parce que pour interpeller sur sa juridiction, il faut qu'il soit présent. Ok. Elle se rend. Allez, sortez du véhicule, les mains en évidence. Ne faites aucun geste brusque. Voilà. Allongez-vous au sol immédiatement. Écoutez ma collègue et allongez-vous au sol. Elle va l'interpeller. Ok, je l'interpelle du coup. J'ai cru qu'elle allait le faire, mais non. Ok, je me note la suspecte. Ok, super les gars. Intervention rondement menée. Donc on va la présenter directement devant le tribunal. Qu'est-ce qu'elle a fait cette petite dame? Chloé Wilkinson. Elle a pris 225 mois de prison pour tentative d'homicide. D'accord, très bien. Hop, bon. Non, c'était pas ça que je voulais faire. On va aller se mettre sur le bas-côté là. Hein? On va pas rester en plein milieu de la route. Parce que ça sert à rien de gêner la circulation, enfin de créer une entrave à la circulation pour ça. Alors qu'on peut se mettre sur le côté. Si les véhicules nous laissent le temps quand même. Hein. Ok. Je vais fouiller son véhicule et le faire évacuer immédiatement par une dépanneuse. Comme ça, on perd pas de temps. Donc, hop. Ok. Search de véhicule. J'ai refait un plate check. Hein. Ok, une boîte de tabac. Ok, d'accord. Hop. Taux service. Large taux truck. Donc, c'est parti. Ça part en fourrière. Ok. Ensuite, madame. Bon, je vais pas me faire... d'allusion, je sais déjà qu'elle va finir en prison, donc ça c'est parfait. Est-ce que c'est plus rapide pour moi de l'emmener directement en prison ou c'est plus rapide pour moi de la ramener quelque part? Je suis en train de me poser la question. Oh d'accord, il y a du stupéfiant sur elle en plus. Bah là, je vais demander un police transport pour que la gendarmerie l'emmène eux-mêmes sur leur gendarmerie à eux, étant donné qu'on est dans leur juridiction. Et puis, nous on va rentrer indisponible sur le secteur. Police nationale. Ok, donc je me mets indisponible pour ne pas recevoir des millions d'appels. La gendarmerie fait son travail et nous les gars on rentre. Et comme ça va me laisser le temps de vous parler de quelques petits trucs hein. Donc déjà le concours sur Instagram, je l'ai abordé en début de vidéo. Là je vais un peu plus le détailler. Donc en gros c'est tout simplement pour les 10 000 abonnés sur mon Instagram Drixis, que vous pouvez retrouver en lien dans la description. Eh bien je vous avais dit que je vous ferais un concours pour gagner l'objet de votre choix sur la boutique Drixis. Aujourd'hui on est 1300, j'ai laissé un petit peu de temps pour qu'il y ait un peu plus de monde qui vienne et aussi parce que j'avais pas trop le temps d'organiser le concours. Donc maintenant vous pouvez venir, il y a une photo qui est disponible sur le Instagram où il y a marqué pour participer au concours RT, enfin pas RT mais follow plus liker la photo en question et vous verrez. Après vous pourrez participer une seule fois hein, parce qu'avec plusieurs comptes ça marche pas, mais vous pourrez participer comme tout le monde. Là on est déjà à plus de 1260 participants. Donc les gars, je compte sur vous pour venir et participer. Et aussi, petit autre point que je voulais aborder, c'était l'heure de sortie des vidéos. Parce que moi, je sais pas si 7h, ça vous avantage ou pas. Ou si vous préférez la voir pour la sortie des cours, donc elle sort vers 17h. À vous de me dire ce que vous préférez. Et puis moi, après, je m'adapterai. De toute manière, une heure de sortie de vidéo, ça ne change rien pour moi. C'est à vous de me dire. Je ferai un petit sondage dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Donc je vous laisse aller regarder. On est de retour sur notre juridiction, donc je me remets disponible. On va juste attendre que ce véhicule noir il circule et puis on va y aller. On va retourner au niveau de là où on était déjà. Hein, donc, to gang member together testing. C'est quoi cette intervention? Oh, c'est bizarre. Ok, on va aller voir. Attendez, j'y vais pas avec les gyros.
C'est quoi cette intervention? Ça me fait super flipper, je sens qu'on va se faire tirer dessus. Ok. Oh, c'est quoi ça? Oh les gars, je demande des patrouilles directes. Ok, d'accord, ça part en courant de tous les côtés là, ça part en courant de tous les côtés. Oh, c'est quoi cette intervention? Oh, le truc de malade. Copy that. We're moving right now. Arrêtez-vous, arrêtez-vous, police nationale, mettez-vous au sol immédiatement, mettez-vous au sol immédiatement. Ok, j'interpelle lui là. Ok, j'en ai interpellé un. Ok, super. Là, il y en a un autre qui est interpellé ici. Oh mince! Oh mince! Bah, il y a déjà un blessé, il y a déjà un blessé. Hop. Ah mince. Oh punaise. Ah, je l'ai loupé. Lui, allez au sol immédiatement. Mettez-vous au sol tout de suite. Ok les gars, donc là on est face à plein de personnes qui sont parties en courant quand je leur ai demandé de s'allonger au sol. Enfin quand je suis arrivé, ils sont tous partis en courant. Je vais venir les sapeurs-pompiers tout de suite. Pour celui que, dans lequel j'ai mis un coup de crosse sans faire exprès. Allez, au sol. Asseyez-vous au sol. Asseyez-vous au sol. Ok. Ok, je le menote. Il y en a un peu partout, là, des gars. Ok, moi j'en ai un là. Il y en a un autre là-bas. Là, je vais demander un police transport. Moi, je vais essayer de remonter pour essayer d'aller en choper d'autres sur les hauteurs. Apparemment, il y a des collègues qui en ont chopé un autre là-haut. Ici, il y en a un qui a été chopé. Par contre, c'est la gendarmerie nationale qui vient. Et pourquoi tu veux pas monter dans ta voiture, là? Qu'est-ce que tu me fais? Hop. Ok, super. Ok, donc là, les gars, je vais essayer de remonter un peu plus pour essayer d'en choper d'autres. Wow, on en a déjà chopé au moins 3. C'est pas mal, c'est un bon début. Ok. Par contre, la portière, là, c'est pas ouf. Ok, là, il y en a un autre qui a été interpellé. Il y en a 4 autres, 5 autres qui sont en train de cavaler un peu à droite à gauche. On va essayer de les choper. Ok, c'est pas ça que je voulais. Pistolet paralysant, il y en a un autre là-haut. Lui, je vais le choper. Oh mince! Oh, je l'ai tapé fort quand même. On bouge plus! Relevez-vous! Relevez-vous! Police nationale! Allongez-vous au sol sans faire de gestes brusques. Coopérez, c'est pour votre sécurité. Ok, génial. Oula, bah oui. Il va se cacher dans le sol, camarade. Ok, parfait. Ok, bah on a perdu tous les autres. Hein. Malheureusement, ils ont tous réussi à se barrer. Je fais un pas down de patch, je le ramène au niveau de tous les autres. Il y en a déjà un qui a été évacué, un autre qui a été blessé. D'accord, donc il n'y a pas eu, il est pas décédé apparemment, celui qui a été blessé. Donc ça c'est cool. Il y en a 4 interpellés, 3 donc alors je récapitule, 4 interpellés, 3 qui se sont enfuis et 1 qui a été blessé. Ok, parfait. Hop, moi je vais reprendre mon véhicule, on va retourner au niveau des deux autres. Hop, véhicule door non pour pas garder la porte ouverte. Ok, il y a un petit peu de sang sur la route, ça partira quand il fera pas beau. Hop là. Ok, on retourne là-bas. On va récupérer ceux qui ont été menottés et qui ont été laissés comme ça. Puis on va emmener tout le monde. Au niveau du commissariat. Hop. Greppad. Ah mince, il est encore au sol l'autre. Apparemment, bah si, il est Delta apparemment. Hein. Hop là. Allez, vous montez là, vous vous installez à l'arrière. Installez-vous. J'en emmène 2 dans mon véhicule. Normalement, on fait pas ça. Ça, tow service, large flatbed. Ok, parfait. Le véhicule qui est dans le champ là-bas, je sais pas trop ce que c'est. Là, il y en a un autre dans le champ, 2 mecs aussi, interpellés. Attendez, ils sont interpellés ou ils font quoi? Non, ils sont pas. D'accord, c'est des mecs qui sont en panne. Ici, j'en ai un autre d'interpellé, donc hop, je vais le prendre dans mon véhicule. Et je vais tous les emmener moi-même. Request Coroner Units. Ok, très bien. Et lui, hop. Greppad, ouais, je vais pas me prendre la tête à appeler
un million de patrouilles, hein. Lui, je vais le mettre sur le siège passager devant. En fait, j'essaye de m'économiser des performances sur mon PC parce que j'ai pas envie que le PC crash à force de demander un million de patrouilles. Bon, là, manifestement, je vais être obligé de... Oh là 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 là. Ça commence à être le bordel. Ça commence à être le bordel, les gars. Là, ça va pas le faire. Je demande un police transport. J'en demande un autre pour lui. Lui, je lui dis que tout est bon, il peut y aller. Hop, tu peux y aller avec ton véhicule, très bien. Moi, je remonte dans mon véhicule. Et je me barre avant que ça devienne la pagaille. Attention, les gars, hop là. Je vais laisser la gendarmerie gérer. Hop, véhicule door non. Ah, ok, du coup, je transporte au niveau du commissariat le plus proche. Attendez, je me mets un petit point quand même parce que là, c'est compliqué de le trouver. Ça va être par ici, donc je vais pas repasser par là où j'étais. On va faire un petit détour par la ville au pire, hein, ça ne fait de mal à personne. Donc c'est parti, on transporte. Je suis content parce qu'on a au moins fini toutes les interventions qu'on avait entrepris. Il n'y en a pas qui ont été coupées par des crashs ou quoi que ce soit. Donc moi, je suis assez content. C'est quoi ce point rouge là? Ce serait pas un des suspects qui serait encore ici, caché là? Non, ça va, je sais pas trop. Bon, eh bien, les gars, malheureusement, ça vient de crash, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se retrouver demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. C'était Drixiz, et ciao, bye bye.